Bien, bonjour, bonjour à tous. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, aux États-Unis, eh bien, mercredi dernier, il y a 2 jours, la Chambre des députés américaine a voté pour envoyer le président des États-Unis, Donald Trump, devant le Congrès afin de commencer une procédure de destitution. Cela va se passer au mois de janvier. Donc, la veille, mardi soir, sur tout le territoire des États-Unis, il y a eu à peu près 600 manifestations dans le sang justement de personnes qui voulaient que la Chambre des députés vote pour cette décision. Donc, moi, je suis allé à une de ces manifestations afin de voir un petit peu comment que ça se passait. Et cela se passait à Los Angeles, juste devant le City Hall, qui est la mairie de Los Angeles. Et il y avait beaucoup de monde, des personnalités qui ont pris la parole. Et puis voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo et l'ambiance qui pouvait régner lors de cette manifestation. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors voilà, bye. Ça y est, on est là au niveau de la manifestation. Et bon, il n'y a pas grand monde encore parce que ça commence normalement d'ici une demi-heure. Comme vous pouvez voir derrière moi, l'éclairage. Predatory President. Ça veut dire empêcher le prédateur de président. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. For the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? And the
Protecting our health care. It was about doing what's right for America. And we thought we could vote Trump out in 2020. And you know, that's probably what it'll still come to. But when somebody tries to coerce a foreign government to interfere in our election, a president tries to do that, you have to do something. You have to do something. Okay, so I just want to let you know that we have 600 events that are happening right now nationwide across the United States. There are 322 days until the election. What will you do? What will you do? We will vote them out. We will vote them all. Rights. Yes! Donald Trump has declared a war on families, threatening to throw 7,000 families out of public housing. And for that, Donald Trump must go. Yes! Donald Trump has declared war on the LGBTQ plus community, yes! Upon immigrants, upon veterans. Yes! And for that, Donald Trump must go. Most egregiously, Donald Trump has declared war upon our children, yes, stripping them of health care, yes, failing to act on guns so that they are at threat of death and violence in their own schools, yes, fueling the climate catastrophe so they will inherit a world on fire. Yes. And most egregiously, most sinfully, stripping children from their parents' arms, kidnapping them at our border, and allowing them to die in government hands. For that, Donald Trump must go! You've got to go! Hey, hey, ho, ho! Donald Trump has got to go! Hey, hey, ho, ho! Donald Trump has got to go! Constitution of the United States! This Constitution that this criminal president is mortally afraid of! We are here tonight to defend this document that generations of patriots and activists and freedom fighters have sacrificed with their blood, their service, their protests, and their participation to preserve. And we are here to remove this president from office. Yeah. Donald, impeach now! Impeach now! Impeach!
Bien, et ben voilà, donc mercredi, et bien il y a eu le vote à la House of Representatives, la Chambre des députés, et en fait la motion a été votée. En fait, donc le cas du président Donald Trump sera débattu et il y aura un vote au Congrès, le Congrès au mois de janvier, le Congrès qui réunit le Sénat et la Chambre des députés, la House Representative. Et je crois qu'il faut à peu près 75%, je suis pas sûr de ça, pour que la motion passe. Donc voilà, on se donne rendez-vous donc dans quelques semaines pour le résultat de cette motion. Voilà, quant à moi, eh bien moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, eh bien, comme toujours, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez laisser des commentaires, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.